Grosse frayeur hier soir sur le Vieux-Port. Vers 21h30, un bateau à moteur de 7-8 mètres a pris feu sur le quai face à l'hôtel de ville. Le sinistre serait apparemment parti accidentellement du bateau sur lequel les propriétaires effectuaient des travaux. Ben, on était en train de manger sur notre bateau et sur le bateau d'en face, sur le Zizou, ils étaient en train de bricoler et d'un coup ben, ça a pris feu. Donc on a essayé de l'éteindre avec notre extincteur mais il n'y avait plus rien à faire malheureusement. Lorsque les secours sont arrivés, un marin-pompier en repos avait tenté de maîtriser le sinistre à l'aide d'un extincteur d'appoint. En vain, les flammes s'étaient déjà propagées sur deux embarcations voisines. L'intervention devait dès lors se faire avec une extrême rapidité afin d'éviter le pire. Sur ces bateaux, on trouve généralement des réserves d'essence, d'huile, etc. Donc des produits inflammables. Donc il s'agit effectivement d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter une propagation trop importante. Et par rapport à la proximité des bateaux, la propagation a été quand même assez limitée. Car les feux de bateaux à quai, ça se propage rapidement. Donc on a eu un peu de chance également qu'il n'y avait pas de vent. L'attaque du feu s'est faite à la mousse pour plus d'efficacité dans ce type d'incendie. Il aura fallu près d'une heure et demie pour circonscrire le feu. Bilan du sinistre, un homme de 38 ans brûlé au niveau des bras et des jambes, transporté à l'hôpital de la Conception. Un bateau coulé, trois sérieusement brûlés. L'enquête va devoir maintenant déterminer les circonstances exactes de l'incendie.